Et donc, thank you for purchasing Botanica contenu téléchargeable. Continuez. Mais alors attends, parce que moi je vois trésor englouti et anarchiste sur ma partie en bac à sable. Alors du coup, pour Botanica, soyez le premier à bâtir les grandioses jardins botaniques de l'ère moderne, des panoramas oniriques faits d'arbres sinueux, de couleurs impossibles et d'effluves enivrantes, importés de lointain, du lointain. Affrétez des expéditions botaniques ou mettez votre exposition universelle au parfum de la mode botanique pour récupérer les spécimens rares. Reconstituez tous les jardins et inspirez de nouveaux progrès, dont les fertilités étendues. Faites fleurir votre jardin botanique avec les nouveaux embellissements d'allées et savourez les thèmes classiques d'Anno dans le nouveau pavillon musical. Donc, nouveaux objets botaniques, pavillon musical, embellissement allées. Mais je crois que du coup, malheureusement, je peux pas l'avoir sur ma partie actuelle. Je crois que je suis obligée de recommencer une partie pour avoir accès aux nouveaux objets. On va regarder, mais je crois que je suis obligée de faire une nouvelle partie. Non, Tristan? Obligée de reset? Parce que ça m'ennuie, parce que ma partie, elle était super avancée, j'avais presque terminé, quoi. Et tu lances la game et il va te proposer le DLC dans ta game, ok? D'accord. Bon, on va voir ça. Faut juste que je fasse un truc. C'est ajouter un repère, en fait. Bon, tu me rassures, Tristan, parce que s'il fallait que je recommence ma game, alors qu'on est bien avancé, ça m'aurait rendu triste quand même. Je suis en train d'essayer de croiser mes jambes, je suis en train de faire un truc bizarre. Bon, en tout cas, la connexion a l'air plus stable, donc je pense que le souci de connexion venait de Teamfight Tactique. Ou alors de streamer la OBS et le fait de l'avoir relancé, ça a aidé. Ah, nouveau DLC disponible. Botanique est désormais disponible. Voulez-vous l'utiliser dans votre partie actuelle? Cette décision est définitive. Si vous changez d'autonomie, si vous changez d'avis, vous devrez charger une sauvegarde antérieure. Oui, j'active. Ok. De nouveaux bâtiments ont été débloqués. Formidable. Et on avait terminé l'exposition universelle ici. Il fallait qu'on choisisse du coup ce qu'on fait à l'intérieur. Mais pour ça, il nous fallait 5000 minimum investisseurs. Alors, attends, le journal. On va publier. Ah, une nouvelle expédition Botanica, du coup, est disponible. Expédition botanique. Affecter un navire. Alors, attends, est-ce que j'ai mon navire d'expédition? Attends. Parce que je crois que j'ai une expédition qui est en cours déjà. J'ai une expédition zoologique qui est terminée. On va la terminer vite fait. Je vous fais pas la lecture pour l'instant. Comme ça, je termine mon expédition d'abord, et ensuite je lancerai l'expédition botanique avec mon bateau d'expédition. Ok. Main d'œuvre d'artisan. Bon, je vais faire ça pour les artisans. Moi,
Parce qu'il faudrait, là, c'est plus d'investisseurs. Du coup, manteau de fourrure et ampoules. Alors, pour les ampoules. Pour les ampoules, c'est des filaments. Ah bah tiens, jardin botanique, du coup, qui a été débloqué. Bon, alors, j'ai plus de place sur cette île-là hein, pour le mettre. Mais on le mettra au Cap Trelawney. On le mettra au Cap Trelawney. J'ai un petit peu de place ici, mais je vais... Ça commence à être un petit peu serré, là. Donc, un superbe écrin pour la flore du monde entier. Et investisseur, j'avais pas fait les automobiles à vapeur encore. Bon, ça, on verra un peu plus tard. La pelleterie me manque la soie, mais les bateaux... Les bateaux m'en apportent. Ok. Vas-y, je vais aller faire un tour au Cap Trelawney parce que c'est là qu'on va faire tout, je pense. Alors là, j'ai pas assez de caoutchouc. Là, il fallait que je finisse l'exposition universelle pour la quête de la reine. Mais il me dit pas d'électricité. Alors pourtant... J'ai l'électricité qui vient jusque là. Sinon faut encore que j'avance. Essayer de le déplacer jusqu'ici. Alors attends. Du coup des rails. Voilà. On refait les routes. Je pourrais peut-être remettre un bâtiment à l'intérieur, je sais pas encore. Sinon, je fais une route. Comme ça, avec un petit jardin au milieu. Ah, mais pas d'électricité, je crois que c'est parce que je manquais de pétrole, justement. C'était pour ça. Le pétrole, j'en ai pas assez, en fait. J'avais fait mon pétrolier exprès. Ouais, parce que là, j'ai pas assez de pétrole dans mon grand port. C'est pour ça. Ah, j'aurais pu refaire comme c'était avant, en fait. Attends, je vais le remettre où il était. Normalement, là, c'est bon. Je vais revirer les routes. Comme ça. Comme ça. Ok. Bon, après, il faudra que je fasse level up. Du coup, pour le pétrole... Sol commercial passif, 94. Donc là, c'est en positif, c'est bon.
Alors, c'est un pétrolier. Il me fallait du coup du fer dans le Nouveau Monde. Sur cette île-là. Alors attends, est-ce que j'ai fait le port pétrolier ici? Faut que je fasse le port pétrolier. Petit port pétrolier. Je peux pas le poser? Pourquoi je peux pas le poser? Ah, il est là mon petit port pétrolier. Donc il fallait que je fasse les rails. Je sais absolument pas comment je vais faire pour passer en fait. Sinon, je fais pas celui-là. Mais c'est con parce que c'est là où il y a le plus de pétrole. Mais sinon, je prends les puits de pétrole qui sont là en fait. Attends. Je vais démolir ça. Je vais faire les raffineries de pétrole. Donc je vais en faire une ici. Je vais en faire une ici. Et ça va revenir au même. Comme ça m'en prend 4. Et là, du coup, les rails. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais à quel jeu est-ce que vous jouez? Voilà. Comme ça, je vais avoir du pétrole ici. Et du coup, faut que je fasse un navire. Alors, je l'ai déjà, mon navire. Faut que je fasse une route commerciale pétrolière. Créer une route pétrole avec le Santa Maria pétrolier. Et donc, entre Azripolis, cliquez pour charger le pétrole et le Cap Trelawney. Cliquez pour décharger. Accepter. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc j'ai deux routes de pétrole. Ok. Oui, c'est un seul pareil. Ouais, effectivement. Non, sa quête, on va pas l'accepter. Parce qu'on est plutôt bien avec lui et on n'est pas très bien avec Karl Leonard. On va faire des dons aux pirates. Comment pourrais-je refuser? On va ranger ça. On va refaire des dons à Karl Leonard. Et j'ai plus d'économie que lui, hein. Je suis mieux que lui en tout cas en économie. Ok, donc ça c'est bon. On va avoir du coup du pétrole en plus sur le Cap Trelawney pour l'exposition universelle. Et du coup le caoutchouc, Azri Capital. Azri Palace, Azri Capital. L'expédition, alors faut qu'on la termine. Sommes-nous des maîtres de notre art? Pour avoir des animaux. Ok, ça s'est pas très bien passé. On continue. Comme ça, après, on fait la Botanica. L'expédition Botanica, et on verra ce que ça va donner. Et du coup, si je regarde dans les bâtiments en culture, donc je vois le jardin botanique en plus. Embellissement de la ville. Ah, il faut que j'accède aux récompenses Ubisoft Club pour les débloquer. Hein. Attends, je dois pouvoir le faire tout de suite, ça. Attends, je vais peut-être mettre le jeu en pause. Je dois pouvoir les débloquer. Quoique j'ai que 19 points, alors je sais pas trop. Mes jeux. Anneau 1800. Défi club.
Non, c'est récompense club. Alors. DLC Marocain Art possédé, anneau 1800 botanique. Bah, c'est bon? Arcade extérieure. Pot de fleurs en pierre, obtenir gratuitement. Magnifique marbre sculpté pour accueillir de jeunes pousses. Par contre, c'est étrange. Parce que j'ai pas l'arcade extérieure. Ils me disent posséder anneau 1800 botanique. Un passage voûté sous lequel les amoureux aiment passer au crépuscule. Et la mare au canard. Je sais pas non plus. Oh les chats là! Oh, ils sont en train de se rouler en boule, en train de se prendre la tête encore. Après, faut peut-être que je relance le jeu. Pour avoir accès à tout. En tout cas, j'ai débloqué le pot de fleurs. Mais il me reste la mare au canard. Posséder anneau 1800 botanique. Eh, hey, il est installé la botanique. Et je le vois pas. Bah oui, j'ai ces deux récompenses-là que je peux utiliser. Bonjour Argonos. Mage F2. Oui, mais je vois récompense club, mais... Mais je te dis, je peux pas. Il me dit posséder anneau 1800 botanique. Peut-être qu'il faut que je relance. Je pense que je vais relancer. Oh, attendez, il y a un truc qui s'est passé. C'est nouveau. Regardez, regardez. Cycle jour et nuit. Le soleil se lève et se couche sans conséquence sur le monde d'anneau. Heure de la journée, 13h. Ah bah oui. Cliquez pour régler. Fixez l'heure de la journée. Aube, midi, crépuscule, nuit... Ah, c'est cool, ça. Et... Je sais pas, mais mon jardin, il a l'air plus joli qu'avant. C'est notre droit fondamental. Par exemple. Ah, c'est bon, j'ai réussi à faire la demande de l'anarchiste. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus joli qu'avant. J'ai pas lu tantôt. Tu l'as dit tantôt. Non mais attendez, je vais relancer. Attends, avertissement. Oui. Bon, les visiteurs qui écoutent leur séjour. Sauvegarder, quitter le jeu, je vais relancer. Pour être sûr que ça me l'a bien activé sur Ubisoft. Parce que c'est activé sur la partie, c'est certain. Mais j'ai pas les récompenses. Oh, décidément, c'est le stream de l'angoisse aujourd'hui. Hein. Y a rien qui fonctionne. Mais en tout cas, je suis contente. Au moins, ça fonctionne dans le jeu. The Settlers disponible en 2020, messieurs, dames, qu'on fera. Hein. Bon, je relance. Je relance tout. Ah, la nuit maintenant dans le jeu. Oui, oui. Ouais, bah c'est cool. Du coup, je sais pas s'ils ont rajouté des petites lumières pour la nuit. Là, le jeu a l'air d'être réglé sur l'heure actuelle. Mais peut-être que si je joue ce soir, le jeu sera dans la nuit. Je sais pas comment se déroule le temps dans le jeu.
Mage F2, récompense club. Bah non, hein. C'est toujours... Activer le DLC. Bah non, c'est bon. Vous voyez, c'est bizarre. Posséder anneau 1800 botanique, c'est loqué. J'ai juste pu débloquer le jardin en fleurs, là. Le pot de fleurs. Mais ouais, c'est cool le DLC Botanica. On va pouvoir le faire sur le Cap Trelawney. Je comprends pas. Je comprends pas. Il est bien là, hein? Il est bien là. Donc c'est étrange, je sais pas. Ah, faut juste que je fasse l'expédition. Ah, c'est possible, t'as peut-être raison. Ouais, il est activé sur ma partie, je le vois bien. Effectivement, faut peut-être que je fasse juste l'expédition pour y avoir accès. Bonjour au ver de terre. Bon, le pétrole au Cap Trelawney, c'est bon. Je vais regarder au Cap Trelawney ce qu'il me faut comme ressources maintenant, en plus. On va faire un full focus sur le Cap Trelawney, sur notre grande ville. Là, on a plein d'espace. Tu as très souvent raison. Moi aussi, j'ai très souvent raison. Vous avez gagné un bonus d'influence. Ouais, j'ai 13 d'influence. Alors, Cap Trelawney. Alors, ça donne quoi ici? Là, j'ai pas suffisamment d'ouvriers. On fait au mieux avec ce qu'on a. On va refaire des maisons. Non, peut-être pas là. On va refaire des maisons d'ouvriers là. Tout ici. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et du coup, jardin botanique. On va le mettre par ici. Les concurrents sont désormais en guerre. Le cessez-le-feu a expiré. On va faire un grand truc, jardin botanique. Je sais pas, hein, je vais le mettre par là. Et je vais faire un truc. C'est pas tout à fait centré là. Là, ça m'a l'air un peu mieux. Là, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, pareil, je suppose qu'il faut de l'influence. Embellissement, allez. Pavillon musical. Pavillon musical. Je peux en faire deux. Limite de module 1. Non, on peut en faire qu'un. Vous pouvez relier vos modules culturels à l'aide d'embellissement d'allée et construire depuis le menu du bâtiment culturel pour relier les modules. Wow, il y a trop de trucs.
beaucoup de constructions. Alors attends, on peut faire les pavés. On peut genre faire un truc comme ça. Fais voir. Ah, c'est joli. Et ça, coût de construction, il vous faut un permis de construire pour créer cet embellissement. Vous pouvez en obtenir par le commerce ainsi qu'en récompense de quêtes d'expédition ou d'exposition. D'accord, ok. Donc quand on aura fini l'expédition actuelle, on fera l'expédition botanique. Ok. Attends, ça je vais le construire. Parce que du coup j'ai un animal à mettre dedans. Enfin j'ai des animaux. Attends. Là je veux mettre ça. Et là je vais mettre ça. Votre ville s'est embellie. Votre ville s'est embellie. Pour le zoo. Je vais faire... Ah bah attends. En cliquant sur le zoo... Non attends. Embellissement, aller. Emplacement vacant. Matériaux de construction manquant. Mais on construit pas, je veux pas construire. Je veux juste... Je veux juste poser. Nécessite le voisinage d'un bâtiment. Ah oui, c'est pour ça, ok. Je pourrais faire ici par exemple. Comme ça. Et après je peux pas faire plus. Ok. Ensuite, la musique définit le thème de vos bâtiments culturels. Essayez d'en choisir une qui correspond à vos expositions. Pavillon musical, emplacement d'objets, pas d'objets disponibles. On peut pas pour l'instant. Ok. Donc là, on attend l'électricité. Sinon, je peux avoir plus d'investisseurs là déjà. Mais j'ai que 494 ingénieurs. Vas-y, je vais faire celle-ci. Celle-ci, je peux pas parce que j'ai pas l'électricité jusque-là. Alors attends, puisque mon électricité elle est là. Oh, il faudrait vraiment qu'il rajoute. Ah, c'est dommage. Non, en fait, je vais downgrade. C'est d'un ordinaire. Je vais downgrade là. Et je vais upgrade par ici. Vous avez franchi. Et là, là il manque l'électricité aussi, mais normalement ça sera bon pour plus tard. Et tout là aussi on pourra faire donc l'électricité. Ça c'est mon poste de police. Je sais pas trop encore quoi faire. Attends, l'expédition zoologique est de retour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Pas de légendaire. Oh, j'ai jamais eu les mains, ça. Ok, bon, mon expédition est de retour. Ça, c'est une bonne chose. Donc, du coup, on va faire l'expédition botanique. Ça y est, c'est parti. Affecter un navire. Donc, mon navire, expédition. Celui-là. Alors, faut juste que je vais enlever le pain.
Un manifestant menace d'envenimer la situation si vous ne faites pas ce qu'il veut. Pour la médecine, on a 20 avec le schnapps. Bon, on va prendre le schnapps, ça ira très bien. Ah, mais il me faut la foi aussi. Bon, j'ai quand même diplomatie 40 avec ça. Je dois gérer le... Ah, je suis full en champagne. Donc je remets le champagne. J'ai pas besoin d'artisanat. Je sais pas ce qu'il faut pour la foi. Force, médecine. Puissance navale, navigation. Ration, médecine, ration. Diplomatie, médecine, foi. Ça, j'ai pas. Ah, les ampoules me donnent de la foi, mais ça rapporte autant que le pain, en fait. Hein. Bon, je vais prendre le pain et on va lancer l'expédition. Par contre, du coup, il m'a acheté quoi par-dessus bord, là? Il m'a acheté mes machines à coudre. Je vais avoir besoin de faire un petit AFK pipi. Bonjour Kimou. Productivité améliorée par les conditions de travail. Ouais, mais celle-là, cette quête-là, j'avais pas réussi à la faire pendant 10 minutes. 10% pendant 10 minutes. J'avais déjà regardé et... Ah bah. Ok, c'est juste une caisse de champagne. Bon bah, on est reparti. Nous sommes en présence d'un virtuose. Nous sommes en présence d'un virtuose. Maître pâtissier. Oui, alors ici, il va pas me servir à grand chose, le maître pâtissier. Alors attends, j'ai ça à décharger. Ici. Si seulement les professeurs échangeaient librement. Alors le maître pâtissier, il est où? Il est pas là. On stocke dans navire de guerre, c'est puissance navale, navigation, force artisanat, hein. Y a pas beaucoup pour la foi. Hein. Mine de silice et carrière de salpette, ça va se vendre. Ça, je vends. Ça, je vends. Je vais aller au port ici. Et là... Alors, affecte les boulangeries. On va le prendre, on va l'emmener dans le nouveau... au Cap Trelawney. Affecte les fermes. En vrai, je crois que je vais le prendre au Cap Trelawney aussi. Affecte élevage également. Bon, pour l'instant, les virtuoses, ils sont pas foufous. Et ce navire-là, on va lui dire d'aller au Cap Trelawney. Voilà. Et du coup, il y a mon pétrolier, là. Qui arrive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre au Cap Trelawney? Bon, cette quête-là, je vais la supprimer, je peux pas la faire. Ça va mal se passer, ça va cogner. Malus, explosion. Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Ok, ici. Mais ça va, j'ai les pompiers qui sont pas loin.
Ils sont déjà en train d'éteindre. Tout va bien. J'ai combien de taxes royales ? 23 000. Et quelques. Et ça descend. Ça descend à 22 000. Alors hop, on rénove le bâtiment ici. Du coup, on a eu le malus à cause des anarchistes. Alors là, il n'y a rien qui fonctionne. Il manque la fourrure. La fourrure, elle est censée arriver. Hein. Ah, le bateau, il est là. 50 et 35. Mais du coup, il faudrait que je monte à 100. Je vais regarder donc à Mini Azri, puisque c'est Mini Azri qui produit la qui emmène la fourrure. Sinon, il faudra que je refasse un bateau supplémentaire. Alors, j'ai combien de fourrure ici? 39. Le temps que le bateau revienne. Je vais encore en mettre. J'ai des cartes prometteuses sur mon bureau. On va le mettre ici, mais il va me falloir un autre entrepôt. Je pense que si je le fais par ici, ça devrait le faire. Une nouvelle expédition botanique est disponible. Bah, il y en a déjà une en cours. Début d'une expédition. Ok, donc là, mon taux de fourrure, ça devrait aller mieux. Ok, on retourne au Cap Trelawney. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Donc là, il me manque du goulash. Il me manque du goulash. Mais j'ai suffisamment de poivrons. Ah, j'ai pas assez de bœuf. Du poivron, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas assez de bœuf. Alors. Où est-ce que j'avais fait... Je les avais fait ici, les bœufs. Ah non, c'est des cochons ici. Cochons saucisses. Le pacte de non-agression... Où est-ce que j'ai fait les bœufs? Pacte de non-agression expiré. Oh les chats. Oui, Galpin, oui, oui, je l'ai. Partie sauvegardée. Absolument. Je sais pas où j'ai fait le bœuf. Je trouve pas. Mais là, j'ai un petit coin villageois, donc je vais faire le bœuf par ici. Stockage de sortie saturée pour le zinc. Attends, on va faire une mine de cuivre. On va faire un entrepôt. Merde, j'ai ripé. Entrepôt ici. L'expédition est en cours. Ok. Et vas-y, on va faire des pâturages pour pour le bœuf. C'est bizarre que je trouve pas où est-ce que j'ai fait le bœuf ici. Je l'ai fait quelque part pourtant. Ah, mais c'est là. Non, non, c'est pas là.
Où est-ce que je les ai faits? Là, c'est la laine. J'étais persuadée que c'était par là. Ah, ils sont là. Ils sont là. J'en avais fait 3 ici. J'avais rajouté une ferme de houblon à côté. Ok. Non, mais du coup, je vais faire le bœuf pas très très loin. Ah, attends, faut que je regarde quand même le bonheur. Ils ont pas trop l'accès aux places de marché, mais c'est pas grave, je veux pas les faire évoluer. Alors, faudrait juste que je fasse d'abord une route qui passe comme ça. Et je vais peut-être refaire une route derrière le truc de chemin de fer. Comme ceci. Et je vais rajouter deux pâturages. Donc un là. Alors 4 modules. 1, 2, 3. Non. Votre navire est revenu de son voyage. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau du tout. Un cauchemar devenu réalité. Deux, trois et quatre. On va faire comme ça. Est-ce que ça va passer ici? Un, deux. Et 4, ça passera pas. Hein. Mais bon, ça fait plus joli comme ça. Oui, j'ai pas eu le temps de répondre. Désolée. Je vais juste faire des petits arbres. Ah, mais il me dit qu'il fait pénurie de pâturage. Pénurie de pâturage, ça va pas. Faut que je la décale. Je le mets là. Non, je peux le décaler encore d'une case. Donc là, là, là. Et puis là. Voilà, ça devrait être mieux pour le goulash. Non, on va faire ça comme ça avec une petite promenade comme ceci au milieu. Alors, il faudrait que je fasse un petit peu des trucs par là, mais je sais pas encore pour la déco. Le journal. Le journal attend votre bon à tirer. Bon, on publie, on n'a pas d'influence à dépenser. D'ailleurs, en parlant d'influence, j'ai ce bateau-là avec le tigre, mais le tigre, je peux le vendre. Qu'est-ce que je peux vendre ici? Attends, je vais prendre des trucs à vendre. J'ai un moniteur là. Le tigre, je l'ai en double. La fertilité raisin, j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà sur l'île, donc je vais le vendre. Ça, ça peut se mettre sur navire. Ça, ça serait bien que j'utilise pour mes pêcheries, ma capitainerie. Je vais peut-être la garder, elle, on sait jamais. Je vais mettre le pirate là.
Ça, c'est dans le musée. Navire à vapeur. J'ai pas de doublon, là. Affecte le théâtre de variété à coût d'entretien, moins 515%. Ouais, je sais pas trop ce que je peux vendre. Je vais aller vendre ça, déjà. Au vieux Nate. Et là, j'ai ce bateau qui est en train d'arriver. Parce que du coup, là, j'ai une corporation qui va affecter mes boulangeries. Et ça, ça va me produire du pain en plus. Il y a un truc qui va. Ah, il me manque du blé. Il me manque du blé. Alors, on va refaire une ferme de blé. Par ici. On va laisser comme ça. Ça fait plus joli. Ok. Sinon j'en mets deux. Je mets deux fermes de blé direct. Comme ça. Je mets les modules nécessaires. Et j'en refais un. Ici. ...138 sur 144. Voilà, deux fermes de blé. Alors là, je vais refaire des maisons en face aussi. Je vais faire comme ce que j'ai fait ici. Faire trois des rangées de maisons en quinconce. On va faire trois. On va partir à quatre, on va faire une route au milieu. Ensuite, on va faire de la déco. Donc on a dit qu'on mettait des petits arbres. Et des jardinets. L'exposition, pour l'instant, pas de nouvelles. Ok. Ça fait pas mal comme ça. Et au niveau de l'électricité, du coup, le pétrole, il est arrivé ou pas? Pénurie, champ de houblon. Ah oui, effectivement, je peux rajouter des modules. Voilà. Je vais voir mes routes commerciales, du coup. Là, j'ai pas assez de café. Les réserves sont vides à Azripolis. Alors, nouveau monde. Ah, l'expédition nécessite notre attention. Je vais quand même rajouter à Azripolis de quoi faire du café en plus. Juste que je regarde mes stocks. Alors, des grains de café. J'en ai 94. Ok, bah je vais refaire une brûlerie de café.
Je vais les mettre là. Et je vais remettre un champ de café, une plantation, juste là. Et les champs. Comme ça. 162 sur 168. Voilà, on sera à 166 sur 168. Ok, je pense que ça devrait être mieux. Et l'expédition, c'est parti. La première expédition botanique. Alors. Gardien des bois. Un plantureux banquet, mais sans personne de près ou de loin pour en profiter. La colonne de fumée encourage l'équipage à débarquer, mais à leur arrivée, le village de huttes en pierre est désert. Néanmoins, après plusieurs mois d'un régime sec de viande séchée et de biscuits, la profusion de poissons frais, de manioc et de bananes enrobées de feuilles fait saliver l'équipage. « C'est trop beau pour être vrai !» prévient un vieux marin. On l'a déjà eu celle-là. Hein. Inspecter les alentours. Le signal d'avancer et de piocher dans la nourriture est donné par erreur. La vigie vient à peine de donner le signal qu'elle aperçoit les villageois qui déferlent de tous les côtés. On tente des excuses, on a 70% de réussite avec la diplomatie. Vos hommes ont l'étoffe de diplomate, ils s'écartent aussitôt du festin, les mains levées, et adressent aux villageois des paroles. Rassurantes. Les indigènes baissent leurs armes. Votre irruption dans leur village, au beau milieu de leur rituel, les a certes contrariés, mais leur chef vous offre quantité de bananes pour vous souhaiter bon voyage, qu'on refuse parce qu'on n'a pas la place dans notre bateau. On continue l'expédition. Je remets un peu mon fond vert, parce qu'il partait en cacahuète. Ma future ex-femme, vu qu'elle me rend cocu, ah bah ouais. Oui. Oui. Plusieurs fois par semaine même d'ailleurs, si tu savais. C'est la diplomatie, tu ruines le banquet des indigènes, ils te pardonnent et ils te filent des bananes et tu refuses. Eh bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas besoin de leurs bananes. J'en ai pas besoin. Je vais pas accepter. Je vais pas dire que j'en ai besoin alors que c'est pas vrai, alors que c'est faux. Que voulez-vous? Bon, du coup, les puits de pétrole ici, je vais pas pouvoir les utiliser. Mais je pense qu'avec ça, ça devrait suffire. Oh là, il y en a 256. Attends, je vais améliorer. Je peux pas faire mieux par contre. Après, j'ai plus les ressources. Ce que je vais faire par contre, c'est que du coup, je vais enlever hop, ma route qui m'apportait du métal. Je vais récupérer de l'influence. Et donc du coup, pour le café, là, ça devrait aller un peu mieux. Alors là, il y a un souci de plantain frit. Il faut que je fasse encore du plantain frit. C'est pas possible. Quête de résident. En souvenir de ces moments incroyables. Elle me fait un cadeau. Ouvrez le cadeau. Un anneau d'or régalien épique à mettre dans le musée. Bah attends, j'ai un musée ici. Artefact. J'ai tous les pirates. Alors attends. Exposition vide. On rajoute.
On va mettre ça dedans, dans le musée. Voilà. Et pour les embellissements, je vais faire route pavée là. Déjà, ça c'est gratuit. Ou entrée large. Zone de construction bloquée. Entrée large, oui, c'est le truc classique. Le porche, c'est le truc classique aussi. Et après ça, on en a pas. Jardin de camélia, ça va être trop... Ah, c'est trop stylé. Ah, je peux quand même les poser. Ah, ça va être trop cool. Je peux le poser, mais je peux pas le faire tout de suite. Faut que je finisse le musée d'abord. Bonjour Super Yeyi. Bon, en tout cas, le stream refonctionne, donc ça venait bien de Teamfight Tactics, hein, les soucis de connexion. Alors là, j'ai pas beaucoup... Il faudrait que je rajoute des maisons. Hein. Et puis, il faudrait que je rajoute de la déco, surtout. Il y a des émeutes dans mes villes. Il se réjouit des émeutes qu'il y a dans mes villes. Ça me semble bizarre. Je crois pas avoir des émeutes. Attends, là, je vais mettre des arbres. Putain, sinon je vais faire double route. Déjà comme ça. Et je vais mettre des palmiers là. Voilà. Là, je vais faire un jardin. Alors, attends, le pot de fleurs en pierre. Vas-y, on va mettre ça. Sur les angles. J'ai pas encore la marocana. La statue commémorative. Sauf que je vois rien avec les arbres. Sinon je mets de l'herbe partout, comme ça je vois ce que je fais. Oui, ça va, c'est centré. On va pas faire ça, hein. On va pas faire ça, rassurez-vous. Enfin, je sais pas si ça vous rassure, mais... faire ça. Je mets des arbustes en fleurs là et là. Et je mets des bancs de grande place ici. Par contre, ça fait un peu trop vert quand même. On va faire des promenades. Non, en fait, je vais faire une promenade tout autour. Je vais laisser l'herbe verte. Clôture de parc. Comme ceci. Et on va remettre l'herbe ici. Voilà. Ici, à côté de l'église, je vais mettre des philodendrons avec des fleurs. Comme ceci. Et là, à l'intérieur, je peux faire aussi un parc.
Alors on va faire... J'ai déjà une fontaine ici, j'ai déjà deux fontaines. Je vais peut-être pas refaire deux fontaines. Dallage de la ville, des pavés. On va faire des pavés à l'intérieur. Ah c'est bien les pavés, parce que du coup ça évite de faire 50 000 routes. Alors statue. Est-ce que un jardin commémoratif ici, ça serait pas une mauvaise idée? Ouais. Je pense que c'est très bien. Avec un autre jardin ici, ici. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Et puis on va encore refaire des clôtures. Les îles de mes concurrents sont assiégées. Non-stop. Ah, l'expédition botanique. Ok, voilà un joli petit jardin. Intrus, une embuscade. Cette région inviolée de la grande forêt tropicale abrite une peuplade indigène qui ne transige pas avec les intrus. Soudain, l'un de vos hommes porte la main à son épaule, désormais percée d'une fléchette ornée de plumes. L'assaillant pourrait se trouver n'importe où. Allez-vous vous cacher, combattre ou, dans le pire des cas, prendre la fuite? Nous allons nous mettre à couvert. Judicieusement, vos hommes se dispersent et s'abritent chacun de leur côté. Le déluge de projectiles finit par refluer. Par respect, peut-être vos assaillants battent en retraite, ou bien pensent-ils qu'ils ont causé assez de dégâts. Plusieurs de vos matelots ont été touchés et commencent à tituber puis s'écroulent. Les fléchettes ont la pointe enduite de poison. Alors... on va faire la diplomatie. La connaissance des usages locaux devrait être utile. C'est ce que les indigènes du cru nomment curare, une substance toxique dont ils enduisent les pointes de leurs flèches, ou dans le cas présent, les fléchettes de leurs sarbacanes. Il existerait un remède, une sorte de bouche à bouche, où l'intervenant tiendrait lieu de respirateur artificiel pour le patient. Le résultat est là, les volontaires ne s'encombrent pas de fierté mal placée et s'empressent tous de sauver leurs camarades. Les victimes du poison sont sauvées et ressortent de cette douloureuse épreuve, plus conscientes que jamais des liens de solidarité qui les unissent à leurs compagnons. Bah, tu m'étonnes s'ils se font tous du bouche à bouche mutuellement. Non mais ma sœur, elle voudra jamais de toi, Tristan. Elle est beaucoup trop difficile. Bonjour, Canichette. De ton cœur saigne. Non, non, mais... quoi que tu me diras, pour le côté alcoolique, vous vous entendriez bien. Distribuer des rations supplémentaires et continuer. Alors, la quête photographique, je l'ai prise, hein, parce que du coup, c'est des sous gratuits, même si, en soi, nous n'en avons pas besoin. Quelle belle photo. Le mouvement recrute. Je ne sais pas ce que nous serions devenus.
Alors attends. Je voulais pas aller vendre des trucs là. Je voulais pas aller vendre des PNJ. Si, si. C'était ce que je voulais aller faire. Il me semblait bien. Allez, on retourne voir le Cap Trelawney où on en est. Déjà, faut que j'améliore les maisons qui sont ici pour les repasser en maison d'artisan. Je déprime la moitié du temps. J'ai pas de bière. Les concurrents sont désormais en guerre. Je n'ai point de bière et je n'ai point de malt. Ah oui, et je n'ai point de farine ni de pain également. Ah, le PNJ, attends. Du coup, moi, j'ai mon bateau qui est là. Attends, parce qu'il y avait ça, tout ça, tout ça. J'ai un maître pâtissier que je voulais mettre dans la corporation ici. Le maître pâtissier, coût d'entretien moins 50%. Ouais, j'aurais préféré un truc productivité, mais bon, c'est pas grave. On trouvera peut-être mieux plus tard. Là, j'ai fait ce qu'il fallait. Là, je pourrais remettre des parcs également. Je pourrais faire une fontaine de chaque côté. Parce que tout ça, c'est des maisons d'ouvriers qui vont upgrade. Mais du coup, il leur faut du pain. Et il faut que je rajoute une école à proximité. Alors... pas une université, une école, on a dit. Bah... Je vais la mettre comme ça, l'école. Et je vais faire une route qui va passer... de chaque côté. Je sais pas pourquoi il m'a fait un petit rikiki bizarre. Ok pour l'école. Il faut un parc à côté de l'école. Attends. Là, on va faire une route ici, on va faire une route là. On va faire une route là. Là, on va faire... C'est vrai qu'il y a les dallages de ville, mais vaut mieux faire les clôtures de parc. C'est plus joli. Clôture de parc ici, clôture de parc ici. Par contre, on peut faire un dallage. Donc des pavés derrière l'école, par exemple. Je suis pas convaincue. Je vais mettre une grande fontaine. Mais je vais quand même refaire une route ici, une route là, et je vais quand même faire un jardin à côté de la fontaine ici. Le pacte de non-agression a expiré. Avec pareil. Du coup, des dallages. Et cette fois-ci... On va faire des bancs de grande place. L'île d'un de vos concurrents a résisté à une attaque. Et on va faire des parterres de fleurs à l'intérieur. Ça fait un petit peu moins de verdure quand même. Je voudrais plus de verdure, s'il vous plaît. Je voudrais plus de verdure, mais je sais pas comment. Bon, faut que je m'occupe du pain. Occupons-nous des choses sérieuses. Je pense que je vais faire tout ça par ici. Attends, j'ai suffisamment de boulangerie, hein.
Il faut que je refasse des champs de blé. Faut que je refasse des champs de blé, faut que je refasse de la farine. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Bon, je vais refaire des champs de blé par ici. Peut-être me falloir un entrepôt par contre. On va le mettre ici. Hop, on améliore au niveau de maximum. Allez, 136 sur 144. Et on va faire une route tout autour. Comme ceci. Bon, je vais mettre un petit peu de verdure à côté du poste de pompier ici. Là, je sais pas encore si je fais une zone... Je sais pas encore quelle zone je fais. Là, je voulais faire un parc. On va mettre un lion doré. Entouré de fleurs ici, ici. Et du coup, on peut faire le dallage. Comme ceci. On avance doucement, mais sûrement. Ça me fait un peu des trucs bizarres, le dallage, hein. Je vais faire dallage ici. Et je vais faire une allée. Hein. Clôture de parc. Du coup, faut que j'équilibre tout. L'expédition nécessite notre attention. Il fait pas chaud hein, quand même. Hein. Ah, parce qu'il a encore fait la censure de l'amour. L'équipage souffre de douloureuses démangeaisons. Des lieutenants jusqu'aux préposés aux volières, tous se tournent et se retournent dans leurs couchettes sans pouvoir dormir. Ils ne sont plus capables de s'acquitter correctement de leurs tâches. Il faut y remédier. Trouver un endroit où s'en débarrasser. Il n'y a pas de meilleur remède que le soleil et le sable fin. Un sens expert de la navigation emmène le navire jusqu'à une île paradisiaque. Un lagon d'eau fraîche soulage les démangeaisons de l'équipage et leur offre un répit ô combien nécessaire avant de reprendre le cours de l'expédition. Ok. Je trouve que le dallage, du coup, il faudrait le mettre que dans les eaux. Faudrait peut-être pas le mettre partout. Hein. Parce que ça fait un peu bizarre. Hein. En termes de couleur. Hein. Je sais pas. C'est un peu étrange. Ça me donne envie de recommencer une nouvelle partie, tout ça. Pénurie de cigares à Azria Capital.
Alors par contre, pour le cigare, je crois que j'ai pas de bateau qui... Je crois que j'ai pas de bateau qui apporte des cigares à Azria Capital. Nouveau monde, ancien monde. Déjà, j'ai pas assez de rhum. Ah, attends. Non, ancien monde, nouveau monde. Alors, attends. Là, lui, elle, je lui ai acheté du café. Ah, mais du coup, elle, il a siégé. Ok. Son île est assiégée. Donc du coup, est-ce que je peux lui acheter quoi à lui? Bah du caoutchouc ou de la ou du coton. Hein. Voilà, on va faire ça. L'île d'un de vos concurrents a résisté à une attaque. Est-ce que j'ai un bateau de disponible pour faire du coup les cigares? Alors attends, cigares, faut que je regarde dans le nouveau monde. Je peux faire du tabac ici, et je peux faire du tabac ici, mais j'ai plus de place ici. Ok. Y a un problème dans ma ville là pour qu'il y ait ce bruit là. Avertissement. C'est que les états de guerre. Attends, je vais refaire les packs de non-agression. Hop. Comme ça, moi je suis tranquille pendant ma partie. Comment pourrais-je refuser? Il est en lui, je vais essayer de lui demander une quête. Vous serez payé comme n'importe qui. Une quête d'escorte. Acceptons. Naviguer à proximité du navire pour lancer l'escorte. Alors attends, il y avait ça qu'il fallait que je vende. Qu'est-ce que je pourrais acheter sinon? J'ai rien besoin. Ah, bonus d'expédition x 25%. Mais non, mais tu peux pas le mettre dans le navire. Enfin, si, tu peux le mettre dans le navire, mais... Ouais. Bon, je préfère les looter moi-même, les PNJ. J'espère juste que mon bateau il va être assez rapide pour s'occuper de l'escorte. Et du coup, au niveau des bateaux. Cap Trelawney, Nouveau Monde. Azripolis, c'est Azripolis. Là, non, je peux pas faire les cigares. Ah, faut que je trouve le bateau Ondine. Cap Trelawney, Nouveau Monde. L'union fait la force, n'est-ce pas? Alors attends. Je dois avoir un bateau qui s'appelle Ondine. Non, l'alliance, on la prend pas. Ouais, c'est les minerais d'or. Alors attends, il est presque arrivé. Et le souci, c'est que normalement, il est censé me transporter que du caoutchouc et de la soie. Et pas les minerais d'or. Vous
Vous avez fini dans le chat là? Vous n'avez pas le droit. Attends, le navire, je vais le mettre par là. Le navire, je le mets par là aussi. Je laisse un peu de place. Allez, mon bateau est presque arrivé. Je suis pas trop dans le sens du vent. Du coup, ça prend un peu de temps. Pardon, Kellar, je vous remercie. Alors. Juste vider l'or. Hop, voilà. C'est bon. Comme ça, le reste, ça pourra décharger et ça pourra reprendre correctement. Ensuite. Impossible de décharger cette marchandise. Plus de place dans les réserves. Effectivement. Effectivement, j'ai plus besoin de champagne, je pourrais rajouter autre chose à la place. Faut que je trouve le bateau Ariel. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Bon, du coup, on va jeter le champagne par-dessus bord. Et je peux peut-être ajouter du coup du chocolat à la place encore. Non? Impossible de décharger cette marchandise, plus de place dans les réserves? Mais alors attends, faudrait que je fasse autre chose du coup. Ou alors que... Je ne sais pas. Attends, je vais faire ça comme ça pour l'instant. Ah, l'île est assiégée. Ils sont chiants avec leurs îles assiégées. Hein. Moi, ça me nique mes routes commerciales. Ah oui, il y avait le plantain frais aussi. Qu'il fallait que je fasse au Nouveau Monde. C'est ici qu'il y a un problème. Non, c'est pas ici qu'il y a une émeute ou un truc. Ici, il faut que je fasse de la déco, tout là. L'expédition nécessite notre attention. Le trésor d'Hassan Ben Saïd. Que diriez-vous d'une authentique chasse au trésor? Une simple halte dans une taverne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire a pris un tour inattendu. Une aïeule a invité votre équipage à se joindre à elle pour retrouver la cache du trésor du célèbre corsaire Hassan Ben Saïd. Elle prétend que seule la découverte l'intéresse, les richesses sont toutes à vous, pourvu qu'elle mette un point final à cette quête qui l'a obsédé toute sa vie. L'équipage exulte, un trésor de pirate. Mais c'est un piège, je le sais que c'est un piège, mais on va quand même le faire. La vieille sorcière mène vos hommes droit dans un piège. Le temps qu'ils se rendent compte de la supercherie, ils se retrouvent dans l'étau d'une ruelle étroite, cernée de toutes parts par des hommes en armes. Une chose vous apparaît désormais clairement, les seules richesses dont il a jamais été question, ce sont les vôtres. Je peux pas faire la force. Commerce. Si je leur donne du champagne... Non, attends, j'ai pas besoin de leur donner tout le champagne. Parce que du champagne...
Si je leur donne 10 de champagne, ils sont contents. Allez, on va leur donner 10 de champagne. Vous acceptez de céder des marchandises pour avoir la vie sauve. Accepter est un bien grand mot, car vous n'avez guère le choix. C'est une humiliation pour vos matelots. Ils se reprochent d'avoir cédé si facilement au fantasme d'un trésor imaginaire et repartent désenchantés. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Je le savais. Je le savais. Bon, attends, un petit peu de déco, là. Ici. On dirait que j'ai une émeute, mais je comprends pas. Avec vous comme protecteur, je savais qu'il se remettrait. Une maladie, mais j'arrivais pas à voir où. Hop. Une clôture comme ça. Comme ça. Comme ça. Une petite fontaine derrière mon église. Comme ceci. Avec des dallages autour. Je pense que les dallages, il faut que je fasse autrement. Je vais faire ça, une statue là. Dallage comme ça. Le monde nous a livré ses trésors. L'expédition est de retour. Notre première expédition botanique est terminée. On va voir ce qu'on va obtenir. Du coup. Par contre, il me faut des obreros ici. Est-ce que je peux améliorer quelques maisons? Il manque du plantain frit, hein. Ouais, il manque du plantain frit. Après des semaines de tribulation, votre expédition revient saine et sauve au Bercail. Vous avez découvert une nouvelle plante. L'équipage trinque au succès de votre expédition botanique. Les quais sont baignés d'odeurs encore inconnues. Donc on a un labyrinthe végétal. Donc, un permis de construire pour le labyrinthe végétal. Un aspidie oriental. Et une armerie maritime. Ok. Ok. Alors, du coup, moi, j'aimerais avoir les ressources. Comment dire? Nouveau succès. DLC La Main Verte. Je pense qu'il faudrait que je refasse un cargo. Je vais refaire un cargo. Ça coûte que 3 d'influence. Parce que je vais avoir besoin de plus de routes commerciales, à mon avis, pour continuer. Donc attends, j'ai une nouvelle expédition. Attends, je vais prendre le champagne qu'il y a. Attends, on revient. Pourquoi je peux pas construire là? Je peux pas construire, c'est bizarre. L'île d'un de vos concurrents a résisté à une attaque. Hmm.
Hop, voilà, on remet le champagne au max. Je crois que le pain aussi, hein, le pain, j'en ai de moins en moins. J'en ai de moins en moins partout. Hein. Pourquoi j'ai pas mon menu là? Pourquoi j'ai pas mon menu de construction? Là j'ai mon menu de construction. Ah voilà, c'était juste un petit bug. Ok. Alors du coup on va faire expédition botanique de crâne de difficulté. Affecter un navire. Expédition. Donc on a tout sauf la force. Pour la force... je peux enlever le, le champagne. Mais j'en ai... Comment dire? Sinon, j'enlève ça. Je garde le champagne dans la soute. Alors attends, je suis en galère. J'ai tellement d'items maintenant à gérer. Diplomatie, chasse. Terrassier. Je peux mettre ça là? Non, je peux pas mettre ça là. Ah, c'est con. Parce que sinon, je vire la foi. J'ai pas un truc qui me donne de la force, là. Je vais aller chercher un PNJ qui me donne de la force. Avec mon bateau d'expédition. Je vais aller ici avec mon navire d'expédition. Je vais aller chercher un PNJ qui me donne de la force. Il y a trop d'amour sur ce stream, là, ça suffit. Iria, je t'aime. Kellar, je t'aime. Superier, je t'aime. Et Angel, je t'aime. Masterman, je t'aime. Les autres, je vous aime. Tristan, on se calme. Au pire, on va voir un des pirates. Non, mais Ellie Blackwharf, il donne des PNJ. Je vais acheter un PNJ qui va me donner de la force. Tout simplement. Alors, soit c'était des PNJ à vendre. Je suis là si vous avez besoin. Et ce que je voulais faire, c'était du coup prendre. Parce que moi, j'ai plus de place dans mon zoo ni dans mon musée ici. Et j'ai pas de place pour faire le jardin botanique. Donc, je vais prendre le bateau. Voire même deux bateaux. Et puis je vais prendre des trucs qui sont ici. Et puis on va aller mettre ça dans le zoo et enfin au Cap Trélonien. On va prendre ça. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Ça, ça se met dans le récupérateur. Le récupérateur, il est là en plus. Ok. Donc, ordonner de rejoindre le Cap Trelawney. Et mon récupérateur, il est là. Et ça, je vais le jeter. Je vais ramener mon récupérateur ici. Et ça aussi, mon récupérateur, il faut que je le ramène au Cap Trelawney. J'ai des trucs à crafter. Mais à quel jeu est-ce que vous jouez? L'île d'un de vos concurrents est assiégée.
Ah, Benny et ses conneries. C'est fini les conneries, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben ça va, pourtant. Il me faut 2000 ingénieurs. Oui, mais j'ai du coup toujours mon souci de pain. Alors attends, j'ai rajouté le blé. Donc là, le blé, c'est bon, ça monte. Il faut que je rajoute un moulin. Ça prend le moulin là? Non, j'ai pas vraiment grand chose. Je vais rajouter un moulin ici. Ah, ça rentre pas. Zone de construction bloquée. Mais c'est parce que j'ai mis des arbres en fait. Voilà, on va rajouter un moulin ici. Ok. J'espère que ça devrait suffire. J'ai quand même pas mal de boulangeries, hein. Après, on va attendre un petit peu. Trop de chariots, chargement retardé. Ouais. Alors on va rajouter un entrepôt ici. Hop. Vous épousez enfin une juste cause. Alors là j'ai les rails, mais j'ai pas de route. Faudrait que je fasse une route. Faudrait que je fasse un pont par là. Comme ça. On croule pas sous le travail. Et là, du coup, j'avais des saucisses et des boucheries. Navire construit. Je pourrais rajouter une boucherie supplémentaire, vu que les cochons, ça augmente. On va mettre ça là. Bon, un petit peu de végétation. L'arbre tout seul au milieu des fleurs. Je vais peut-être alterner avec de l'herbe d'ailleurs. Et du coup, attends, l'ancien monde, parce que du coup, je voulais ramener les bateaux.
Mon bateau d'expédition, il est arrivé ici. On voulait un PNJ qui donne de la force. Diplomatie, puissance navale. Parce que sinon, j'ai lui. Je pourrais le vendre. Et prendre celui-là à la place. Diplomatie 25, puissance navale plus 20. On va faire ça. On va remplacer comme ça. Ça me semblait bien ce navire. Ma prison, c'est ma vie. Puis on va roll, on va essayer de trouver un machin qui se met dans le navire. Et qui donne de la force. Votre navire est revenu de son voyage. Capitainerie. L'île d'un de vos concurrents a résisté à une attaque. En stock dans le navire. Médecine 45. Bah écoute, il est pas mal parce que ça me permettrait de mettre d'autres objets. Voilà. Il est bien celui-là. J'ai navigation et chasse. Et là j'ai puissance navale. Ok. Ouvrir le menu d'expédition. Du coup je peux enlever la médecine. Attends, je vais jeter par-dessus bord. Voilà, j'en ai trop de toute manière. Ouvrir le menu d'expédition. Oh là 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 là. Neryl offre 3 abonnements à cette communauté. Neryl a déjà offert 25 abonnements. Merci Neryl. Neryl a offert un abonnement à Soka, à Moaltan et à Céphalide. Merci. Jette pas nos dits duo, mais j'en ai plein du schnapps. J'en ai plus que plein. Qu'est-ce qui donne de la force déjà? Merci beaucoup mon cher Neryl. J'ai une petite mèche de cheveux qui part en couille. Voilà. Et là, il sub Cypher. Ouais, mais je pense que vous avez été un peu dur avec lui, en vrai. Je pense qu'il méritait pas. Non, mais attends, il faut que je trouve un PNJ qui donne de la force. Et un PNJ qui donne de la foi. Lui, il donne 5 de force. C'est de la merde. Explosion dans l'une de vos usines. Ah. Explosion. Oui. C'est ma raffinerie de pétrole. Normalement, j'ai bien les pompiers. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai bien les pompiers. On mobilise une deuxième unité. Bon, faut que je reste focus là-dessus en attendant. Sinon, je risque d'oublier après. Affecte les automobiles à vapeur. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je le fasse par ici. Allez, go éteindre le feu. C'est bon, c'est en cours. Bon, normalement, je devais finir le stream à 14h, hein, mais vu que ça a un peu merdé ce matin, je n'ai pas de chemin pour aller à ma raffinerie. Oui, mais elle n'est pas en feu, donc j'ai juste à reconstruire. C'est pas gênant. Ah, c'est pour ça qu'elle a explosé, tu crois? Bah écoute, je vais juste rajouter une petite route, du coup.
Comme ça. Tu vois. Tout simplement. Hop, voilà, rénover le bâtiment. Je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai pas assez d'or. Attends, le récupérateur. On va leur donner l'or qui est là. Et je vais prendre, du coup, d'autres animaux marins. Et hop, elles mettent ça dans le récupérateur aussi. Et du coup, ça... ordonner de rejoindre le cap Trelawney. Et j'ai ma frégate qui est là. Et là, je voulais prendre du coup les trucs botaniques qu'on a chopés pour les mettre dans mon jardin. Ah, attends, le labyrinthe végétal, il faut que je le prenne. J'en ai deux. Est-ce que je peux prendre les deux d'un coup? Ouais, c'est bon. On va faire ça comme ça. Ok. Ordonner de rejoindre le cap Trelawney. Elle a dû brûler avant d'exploser, tu penses? Oh, je sais pas, il y a des trucs qui explosent d'un coup, hein. Donc je sais pas trop. Pénurie de machines à coudre à Azripolis. Ouais, bah ça, je peux rien y faire. Quête de résident. Ma thèse sur le sable ne sera jamais assez consensuelle sans être étayée par des preuves expérimentales. Il me faut des matériaux. Pas de correction. Livrez-leur toute la vérité. Rien que la vérité. Tract, affiche, pancarte, rédigée en lettres de sang. Pourquoi 14h? Bah parce que normalement je stream de 10h à 14h. Et de 17-18h à 21h-22h. C'est mes heures. C'est mes heures de stream. C'est mes nouvelles heures de stream. Mais vu que on a eu plein de lags ce matin sur TFT, bah voilà, pas le choix, quoi. Alors attends. Cette maison, il faut que je l'améliore. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à prendre la quête de résident là. Cette énigme peut-elle être... Ah bah voilà. Procurer 20 tonnes de sable de quartz, c'est 20 tonnes de suif. Je crois que j'ai déjà tout ce qu'il faut. L'anomalie est corrigée ? Oui, c'est bon. Vous faites un excellent catalyseur. Il me donne des armes lourdes. Je crois que je suis full déjà en armes lourdes. Tout est plutôt fragile. Bon, j'ai pas assez d'acier. Et j'ai pas assez d'acier parce que je crois que j'ai pas assez de charbon. Et que j'ai pas assez de... Je vais faire... Attends. Là, j'ai un cargo déjà. Cap Trelawney, ancien monde. Qui s'occupait des saucisses. Au Cap Trelawney, du coup, on va prendre... du fer... et du charbon en plus, voilà. Mes excuses. Et je pense que ça serait pas mal. Faut que je regarde si j'ai toujours un souci de fourrure au Cap Trelawney. Ouais, j'ai toujours un souci de fourrure. Donc je vais rajouter sur ce même cargo. Alors. De la fourrure. De la fourrure, accepté. Merde. La prochaine fois, je ne serai pas. Voilà, comme ça. Ça devrait être mieux. Jean Lafortune est déçu de mon échec. Putain!
J'ai raté la quête avec lui. J'avais complètement zappé encore une fois. La formule est incomplète. Bah, il manque du caoutchouc. Il manque encore du goulash. Pourtant, du bœuf, là, ça va, il y en a. Ça fonctionne à 200%. Combien j'ai de goulash? Zéro. Bon, faut peut-être que je refasse du bœuf et... Je vais en remettre un. On va refaire un truc de goulash. Je vais le mettre ici. Je vais refaire un gisement de fer, même si c'est full déjà. Je vais faire une route là. Je vais me rajouter j'allais dire un entrepôt, mais c'est bon, j'en ai déjà. La Banouki. Bon, du coup, ça m'ennuie parce que du coup, il y avait genre pendant 2 heures de stream ce matin, il y avait genre 20 personnes seulement sur TFT. Et là, je commence à avoir faim. Donc, j'ai envie d'aller manger. Donc, je vais reprendre ce soir la partie. Si ça ne vous ennuie pas. Je vais sauvegarder, quitter le jeu. J'ai fait suffisamment d'heures supplémentaires. En 40 minutes en vrai, ça suffit. Et du coup, il te manque plus que le lapin rouge, Neryl aussi. Quoique ça va bien avec le pseudo comme ça. Et on verra la suite de Anneau plus tard, messieurs, mesdames. Alors, je reviens aux alentours de 17, entre 17h et 19h, voilà. Je sais pas encore sur quel jeu, mais on verra bien. TFT, à ton sens, c'est pas super streamable, plus pour les vidéos YouTube. Ouais, I don't know. Je ne sais pas. Si, pour moi, c'est streamable. Mais c'est juste que je pense que ça laguait ce matin. Faudra que je réessaye. Franchement, il n'y a pas eu de soucis des autres fois, donc il n'y a pas de raison. Je vous fais des bisous. Merci, merci Kellar. Je vous dis à ce soir. Au revoir.